Bon, il y a beaucoup de questions Facebook. Alors, première question, c'est contre le gonflement des notes des contrôles continus. Est-ce qu'il y a eu des mesures qui ont été prises par rapport à ça? Les profs qui infro les contrôles continus, est-ce que Non, pour répondre honnêtement, pour le moment, la seule chose qu'on a faite est importante. Il y a des statistiques très précises, pratiquement établissement par établissement. Ok. Donc ça, maintenant, on sait où ça se passe. Okay. D'abord, quand il y a eu Orasna, mais une solution pour ça ou pas? On va dire le cas. جميع المدارس كانت خاصة أو عمومية. واخا. alors il y a une question, pourquoi la note du bac est un critère majeur pour intégrer les grandes écoles? Il se peut qu'un élève brillant ne soit pas en bon état le jour de l'examen et n'obtient pas une bonne moyenne, alors qu'en parallèle un autre élève faible se voit avoir une très bonne mention que par la triche ou par d'autres moyens. C'est que c'est un peu le c'est une question avec le مشكل ديال التوجيه مع المشكل ديال واحد اللي ما كيقدر يسجل الباك نهار الباك ما يكونش ان فورم. Il y a ma santé ou la notion mouchkil ou la note dialo, la moyenne dialo, il dit que c'est le bar. Oui. C'est faire quoi dans ce cas-là? Il faut refaire quoi? Non, il peut. C'est difficile de refaire. C'est difficile de refaire. Ça fait partie, je dirais, de l'injustice, hein, de l'injustice qui existe. Ouais. Quelqu'un de brillant qui, le jour du bac, malade ou flanche. Bon, s'il est malade, il va le reprendre. Ouais. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a des sessions qui sont prévues pour ça. Maintenant, quelqu'un qui se plante complètement, bon, c'est un cas malheureux. Mais à partir de là, il va recommencer l'année d'après et il va réussir, sans problème. Alors vous me dites celui qui a triché ou celui-ci. Celui-là, il ne réussira pas dans une grande école. Ce n'est pas la peine de rêver avec un mauvais bac. D'abord, les bons établissements ne prennent pas en considération les notes du contrôle continu. Ils ne prennent que les notes du national. Okay. Les bons établissements, c'est comme ça qu'ils font. Donc, il y a déjà un bon arrangement à ce niveau-là. Ou celui qui a triché, même s'il est pris, il va être rejeté après un an ou deux. Ok. Le site, le site de Mansar Dimakhasr, on voit qu'il y a eu 3 jours de bug, c'est ça? Maintenant, c'est réglé. C'est bon. A priori, aujourd'hui, il devrait être opérationnel. C'est réglé, c'est pas réglé? Aujourd'hui, c'est réglé. Aujourd'hui, ça va être réglé. Ça marche. Aujourd'hui, ça va être réglé. Non, ça marche. Ça marche. Une autre question. Si j'ai un zéro, est-ce que je pourrais avoir la deuxième session? Alors là, c'est une colle. Je ne sais pas s'il y a des notes éliminatoires. Je pense que la deuxième session. Ouais. Il y a des notes éliminatoires? Ok, c'est sûr. Le zéro éliminatoire. Les matières de. Les matières de spécialité. Les matières spéciales et spécialité. Très bien. Donc zéro, c'est. Oui, les matières spécialité, il y a les notes éliminatoires. اوكي واش بقى القضيه ديال اختاروا احسن نقطه في كل ماده ما بين الدوره العاديه والدوره الاستدراكيه بقى هذا العام اللي فات درت بقى العام دونك واحد يدوز دونك عاود الماده عاوتاني عاوتاني في الدوره الاستدراكيه يعزو احسن لا ميور نوت ما بين لي دو تري بيان لي طار مرجعي هضرنا عليه كاين اختي 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 خويا تابونا في لاشين يوتيوب شكرا وبارطاجي الفيديو الا بغيتي شكرا تابونا شكرا لكم شكرا